Et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct depuis Crévolant, une magnifique petite station village où il fait bon déjà l'hiver skier évidemment, puisqu'il y a beaucoup de pistes skiables ici. Beaucoup de pistes, on va même remontant là-bas. Et aussi de belles randos l'été. C'est une station qui ne sont pas très loin de Bras-sur-Limagey et sous les saisies de la station de Savoie. Nous sommes en Savoie, dans les Alpes du Nord, donc à Crévolant. Et Crévolant qui aujourd'hui accueille une étape du Dauphiné, hein, du Critérium du Dauphiné. Donc on est là sur la ligne d'arrivée qui est en pleine effervescence, puisqu'en ce moment, ben, les spécialistes préparent cette arrivée. Alors, voyez, ça menace un petit peu, on est à assez haut, on est à 1230 mètres d'altitude, je crois, de mémoire. Et avec quand même des nuages noirs qui menacent. J'espère que le temps tiendra comme maintenant pour l'arrivée du Critérium, pardon, parce que sinon ça risque d'être difficile pour les coureurs, encore qu'ils vont peut-être apprécier la fraîcheur. Voilà, on a quand même assez frais, parce qu'on a 16 degrés là actuellement, une toute petite bille, j'espère que ça n'entrave pas trop le son que vous recevez bien. Voilà, donc c'est un peu la fête aujourd'hui et Crévolant fait 3 jours de fête. Donc aujourd'hui, l'arrivée du Critérium, bien sûr, du Critérium du Dauphiné. Et puis pendant 2 jours, beaucoup de plein d'animations et des fêtes. Donc pendant tout le week-end ici à Crévolant. En espérant qu'ils aient le beau temps, mais on est optimiste, donc on sait qu'ils auront un très très beau soleil. On est dans un coin magnifique, regardez, à 1230 mètres d'altitude. Regardez si c'est joli. Et c'est vraiment la petite station village, on a même là derrière nous les vaches qui sont en train de paître à moins de 100 mètres de la ligne d'arrivée, c'est extraordinaire. On va avancer un petit peu, on va aller jusqu'à la ligne d'arrivée, vous voyez qu'il y a beaucoup d'effervescence en ce moment. Beaucoup de gens qui sont au boulot pour préparer cette arrivée d'étape. Alors on a Tigrine qui nous dit bonjour. Eh bien bonjour Tigrine, on avance un petit peu, donc on est... Donc c'est la station Crévolant, d'ailleurs, qui dit qu'il vive le vélo aujourd'hui. Voilà, très très belle station. Où il fait bon skier, beaucoup de pistes, je dis bien. Et nous sommes sous la station des Saisies. Toujours en Savoie, dans les Alpes du Nord. Tu passes devant toi, parce qu'il y a 150 mètres. Très très belle petite station. Je ne sais pas si on peut voir les vaches de l'autre côté. Je vais essayer de traverser. Sans me faire écraser, on avait un tout petit troupeau de vaches tout à l'heure, des charolaises, elles sont pas très loin d'ici. J'ai quand même du vent, voilà. Donc les gens continuent à préparer l'arrivée. La ligne d'arrivée pas très loin d'ici, vous voyez, c'est indiqué à 25 mètres. Aussi avec les différents stands donc, qui se trouvent sur toutes les lignes d'arrivée. Et là nous sommes sur cette arrivée du Critérium qui terminera dans 2 jours à Grenoble. Donc une très très jolie station, très petite station de Savoie. Voilà, on est dans une remontée mécanique en face de nous. C'est vraiment très très chouette. On a le ciel un peu noir là, ça menace un petit peu. On nous annonce de l'orage en fin d'après-midi. Espérons que cet orage, on l'ait une fois que la course, l'étape sera terminée. On a Guillaume bonjour, qui dit bonjour. On va vous demander de vous arrêter là parce qu'on est en plein montage pour éviter les coups. Alors on va attendre ici. C'est pas grave. Oui, j'ai vu qu'il était en train de filmer, mais pas le cas. Alors on a Chouanin qui nous dit bonjour, bonne journée à tous. Donc je rappelle, on est en Savoie, dans les Alpes du Nord, à Crévolant. Tout le monde connaît à la place du village, très souvent Crévolant. On connaît très très bien cette station qui est magnifique. Et là, voilà, dans cette magnifique station de Crévolant. Et on va. Alors, on nous dit qu'on ne peut pas aller trop loin parce qu'actuellement ils mettent avec les barrières. Ben, la ligne d'arrivée se prépare. Donc, l'arrivée se trouve ici, sur le côté d'où se trouve le camion, avec une grosse effervescence. Aujourd'hui, au Val d'Arly, dans le Val d'Arly, puisque Crévolant fait partie. Alors, c'est en Savoie, ça fait partie du Val d'Arly, au même titre que Bras-sur-Arly, qui est aussi dans le Val d'Arly, mais qui est en Haute-Savoie. Un petit peu cette. Il y a beaucoup de monde là, ici. Je ne peux pas trop faire profiter des pâturages parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont installés dans ce centre-ville. Alors on va reculer, parce que là ils mettent les barrières, c'est l'arrivée. On est sur l'arrivée, on va reculer. Ok,
calculé puisque c'est la mise en place. C'est quand même un gros travail quand on pense que c'est pour l'arrivée, bon, qui aura lieu quand même dans quelques heures, puisqu'elle est prévue entre 15 et 16 heures l'arrivée. Alors on va sortir un peu d'ici, je vais vous faire voir si on peut approcher. Si on peut approcher des pistes de ski, mais c'est bien, il y a beaucoup de monde et c'est bien encombré quand même. Il y a des écrans géants, d'ailleurs, on l'a un peu derrière nous, maintenant derrière le bulldozer, malheureusement, on a une remontée mécanique. Un endroit parfait pour skier, c'est vraiment une petite station village, station familiale, elle est très très chouette. Et on voit le clocher de l'église un peu plus loin, c'est une station qui a su garder son authenticité, qui a gardé. On va essayer d'aller un peu plus loin, puisqu'ici, ben, il y a trop de monde. Hein. Apparemment, il y a beaucoup trop de monde sur cette colline d'arrivée. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. On ne peut pas aller beaucoup plus loin, puisque bon, ils sont en train de mettre en place cette ligne d'arrivée. Donc, je vais vous emmener peut-être jusque dans le village, au cœur du village, ici, qui est un peu plus loin. On voit l'église. Donc, en principe, quand il y a l'église, la mairie, on est au cœur du village. Généralement, je pense qu'à Crévolan, c'est pareil. Voilà. Regardez, on voit, une fois passé toutes les effervescences, regardez, on a déjà des petits chalets. On voit que c'est vraiment une station qui est super, qui a gardé cette authenticité, ces petits chalets savoyards, regardez, qui sont beaux là-haut. Et d'autres, un autre monde, beaucoup, beaucoup de monde. Bien, ce qui est ici l'hiver dans cette petite station. On a Monique qui dit bonjour de Versailles. Bonjour Monique. On va avancer un petit peu. Voilà. Et cet après-midi, ben, on va tâcher de vous faire participer à l'arrivée, puisque c'est sur notre région, dans notre petite notre Savoie, l'arrivée. Donc on vous fera peut-être profiter en direct de l'arrivée du Crétérium. Ouais. En face de nous, là-bas, toutes ces montagnes. Et entre les montagnes, on a les gorges de l'Arly qui sont là-dessous, qui sont quand même très pittoresque et très connu, surtout les gorges. Voilà. Ben, maintenant, on arrive un petit peu dans ce village. Vous voyez ces petits chalets là-haut, ces anciennes fermes savoyardes. Il y en a même encore en activité. Et regardez si c'est joli. Malheureusement, le soleil n'y est pas. Il n'y est pas aujourd'hui. Voilà. Je vais mettre un terme. Je vais terminer ce petit direct. Bonjour Versailles. Magnifique paysage, Elisabeth. Ben, merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup et puis à tout à l'heure pour un autre direct. Merci bien.